C'est tout ce Madame que je sais Honored. dire en français en tant que phrase. Honored to be hosting you today for the PSS SEL Localizing INE Resources Orientation Workshop. Please note this is a very high-level workshop to just start reintroducing ourselves back into the resources that we have for INE and how you can use them in a localized manner. So welcome. I leave you in the very good hands of Emmeline, Michelle, Paula, and Sonia, as well as Laurent, who will be facilitating this session, but I will be supporting technically at the back end. So welcome. Merci Esther. Bienvenue. Bienvenue, très bien, c'est bon. Donc Esther est honorée de vous accueillir pour cette session d'orientation sur la localisation des outils en soutien psychosocial. Donc elle indique que c'est une session de haut niveau, que les différents facilitateurs vont présenter les ressources en soutien psychosocial pour que vous puissiez les adapter à votre contexte. Elle vous souhaite la bienvenue et elle vous laisse entre les mains des experts facilitateurs. Donc nous comptons, pardon, je reprends mes notes. On a Paola, Michel, Sonia et Laurent que je présenterai au fur et à mesure. Donc voilà, donc faciliter le bien-être psychosocial et l'apprentissage émotionnel. Esther reste avec nous et qu'elle sera là pour la partie technique et au moment des questions. Donc, next. Ouais. Donc, je voulais vous mettre un peu plus dans le bain et qu'on ait bien votre nom. Vous pouvez actualiser votre nom sur Zoom, donc en utilisant les trois petits points qui sont en haut à droite de votre image. Et vous pouvez y mettre votre nom, votre organisation et l'endroit où vous êtes actuellement. Et vous pouvez également utiliser des emojis dans la barre de chat pour nous dire comment ça va aujourd'hui. Donc, moi, je vais le faire. Donc, je vais mettre. Voilà. Qu'on est en train d'enregistrer, qu'il faut que l'on fasse attention au temps et qu'on participe. Voilà. Sans avoir de gêne. C'est un endroit où vous pourrez poser des questions et vous êtes chaleureusement invité à le faire. Donc, on va voir si cette petite activité va bien. Donc, il y a Paola qui est aussi une de nos facilitatrices. Bonjour à Eliane Couton de Dakar. Ah, Sonia, elle est fatiguée. Sonia, elle est basée aux États-Unis, je crois, donc ça fait une sacrée différence horaire. Bienvenue à Olivier Cambo-Wallo, donc qui est de Car. À voir s'il y a encore quelques personnes qui se présentent. J'ai vu qu'il y avait Madame Hortensia du Cameroun. Catherine Tech qui boit son café ou qui a envie de café, je ne sais pas. Un petit dernier pour la route, un petit emoji. Et Nathalie, qui est notre collègue de l'INE, qui travaille à la communauté de langue française. La fatigue, je crois que c'est un point commun. Va falloir qu'on travaille sur le bien-être. Hein. Mais il y a un petit arc-en-ciel. Donc, c'est qu'il y a du positif derrière tout ça. Josapha, bonjour Josapha, qui est aussi point focal pays de l'INE en République démocratique du Congo. Et puis, on va passer, vous pouvez continuer à faire ceci. On va passer à la prochaine diapo. Next slide. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des ressources, les ressources les plus actuelles en soutien psychologique. Pardon, je me confonds avec les acronymes, je suis désolée. En soutien psychosocial et apprentissage. Oh là là.
Socio-émotionnel, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de le dire en anglais qu'en français, je ne sais plus. Donc, on va parler des ressources actuelles qui sont disponibles à l'utilisation et à la contextualisation. Certaines que vous connaissez déjà et certaines que vous allez, on l'espère, découvrir pour ensuite pouvoir les utiliser. Donc, les objectifs, c'est de revoir la terminologie de certaines notions du soutien psychosocial et de l'apprentissage socio-émotionnel. De présenter brièvement les normes minimales de l'INE, la nouvelle édition 2024, actuellement disponible en anglais uniquement. De vous présenter la boîte à outils SPS ASE avec un accent particulier sur les outils de localisation. Et puis, vous présenter la note d'orientation sur le bien-être des enseignants et les indications pour la contextualisation, évidemment. Merci de continuer à vous présenter. Bienvenue à Irissa, à Andissa Raffilémon aussi. Et on va passer à la prochaine diapo. Donc, avant de vous... pardon, non, revenez à la diapositive, pardon. Non, c'est bon. On va vous poser une question. Donc, la question est la suivante. Vous allez la voir s'afficher à l'écran et vous allez répondre. Donc, c'est savoir si vous avez déjà utilisé la note d'orientation de l'INE sur le soutien psychosocial. C'est bien pour le moment, il y a une bonne participation. On voit que c'est surtout le non qui le remporte. Ça n'est pas un test, donc vous pouvez répondre tout à fait honnêtement. Je vais laisser encore 20 secondes et puis on arrêtera. Et voilà. Donc, à 67%, non, vous n'avez pas encore utilisé la note d'orientation de l'INE sur le soutien psychosocial. Et à, pardon, 33%, oui. Je partage les résultats. Voilà. Donc, à partir de ça, je vais passer la parole à notre collègue Paola Toffetti, qui, pardon. Voilà. Donc Paola, elle s'est lancée dans l'humanitaire en 2015. Elle a consacré sa carrière à la résolution de diverses crises humanitaires et toujours en travaillant sur la protection de l'enfance dans l'éducation en situation d'urgence. Elle a aussi aligné son parcours professionnel sur l'importance de la santé mentale et le soutien psychosocial dans les réponses et les interventions humanitaires. Et elle travaille actuellement comme responsable du soutien psychosocial pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, et elle est basée à Dakar. Et sans plus attendre, Paola, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Émilie, merci. Je suis très contente d'être là avec vous. Je vois dans le chat plusieurs noms que je connais, des collègues NRC et aussi des collègues de la région. C'est un plaisir de vous voir ici. Pour les premières 20 minutes, on va discuter, on va ensemble à réviser ou à connaître, pour qui ne connaît pas encore, la base un peu de l'appui psychosocial ou le soutien psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel pour la INI. Voilà, merci Emeline. Next slide, s'il vous plaît. OK, alors ici, on a deux images qui représentent les notes d'orientation, on veut dire les lignes guides que la INI a développées par rapport à l'appui psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel. Si on commence à voir les documents à gauche, c'est vraiment la base.
C'est la note d'orientation où il y a expliqué tous les standards, toutes les approches et tous les leads pour développer un programme d'appui psychosocial en éducation. Et surtout, en fait, en éducation en situation d'urgence. Dans les manuels qu'on voit à droite, c'est aussi un autre document de référence où, en plus, vous pouvez trouver des cas pratiques. C'est aussi un document qui a beaucoup de lignes guides, mais a aussi une partie dédiée un peu à tous les cas. Quand Yeni parle d'appui psychosocial, apprentissage socio-émotionnel, ça, sont les deux documents de référence. Mais en fait, pas seulement pour la Yeni. Par exemple, comme je disais, actuellement, je travaille avec les NRC, les conseils norvégiens pour les réfugiés, et on a un cadre sur l'appui psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel pour les NRC, qui en tout cas prend des références à cet outil de la Yeni. Du coup, tout ça pour dire que les ONG internationales et nationales aussi, et les ministères de l'éducation avec qui on travaille, on utilise ça, on peut dire, comme référence. Maintenant, je voudrais avoir votre participation un peu interactive. Et si vous avez déjà vu ces deux documents, et si vous les utilisez dans vos approches APS, au PSS, ça dépend de l'anglais ou le français. Si vous pouvez mettre un pouce dans le chat, comme ça on va voir déjà qui a déjà utilisé ces deux documents. Paola, je peux aussi lancer une autre question pour savoir s'ils ont déjà lu le document, Oui. si tu veux. Donc je lance le sondage. Parfait, merci beaucoup, Emeline. Lancé. Merci beaucoup. Oh, très bien. Je suis sûre que beaucoup entre vous, voilà, exactement. Je vois les données monter. En tout cas, oui, on a 37. Oui, on peut dire que la majorité, il dit non. Mais c'est très bien, en tout cas, parce qu'on est là effectivement pour parler de ça. Vous vous inquiétez pas, c'est seulement pour vous dire, voilà, il y a des cadres, des références qu'on peut utiliser. Et voilà, du coup, je pense que là, on peut avancer. On a les 77 personnes qui disent non et les 23% qui disent oui. Très bien. Merci beaucoup pour avoir participé et merci, Emeline, pour avoir fait ça. Peut-être on peut aller alors à la prochaine slide. Et là, OK, du coup, ça encore, je suis sûre que beaucoup entre vous dans des ateliers sur l'appui psychosocial, mais en général sur la protection des enfants et la réponse humanitaire, en tout cas, on parle en général de catastrophes et de catastrophes, crises humanitaires qui, malheureusement, peut être soudaine et va impacter, affecter normalement négativement les bien-être psychosocial, les bien-être général des étudiants, des enfants, des enseignants, de toute la communauté. Du coup, ça, c'est seulement, encore une fois, je suis sûre que vous avez déjà vu ça, c'est un peu, encore une fois, de théorie pour dire que tous les êtres humains, en fait, ils vont être affectés négativement quand il y a une crise humanitaire, et que ça peut être une crise environnementale, une crise d'origine humaine ou une crise mixte. Du coup, nous tous qui on travaille dans les domaines humanitaires, on a bien dans la tête ça. Et les buts, comme des acteurs de protection des enfants, de l'éducation et de santé mentale en général, c'est essayer de reconstruire et d'aider les populations affectées par la crise à se redresser, à rétablir la condition de bien-être qu'il y avait avant la crise. Et bon, nous, on est dans les domaines de l'éducation, du coup, notre but principal, c'est d'aider les enfants à se rétablir. Et du coup, pour faire ça, on a besoin d'engager différents acteurs.
par exemple les enseignants, les parents, la communauté en général. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'aider les enfants à reconstruire ces bien-être. Mais comment effectivement on peut faire ça? Qu'est-ce que sont les besoins dont les enfants ont besoin pour rétablir leur bien-être? Avant d'aller sur la prochaine slide, c'est quelqu'un, avant qu'on vous donne la réponse, c'est quelqu'un entre vous peut se lancer et écrire dans le chat, à votre avis, qu'est-ce que sont les besoins dont les enfants, les besoins qui sont prioritaires pour le bien-être psychosocial d'un enfant, à votre avis? Un enfant a besoin de quoi? Très bien. Merci beaucoup, Idrissa. Irissa. Sécurité, très bien. Du coup, créer un sentiment de sécurité, c'est capital à niveau de la communauté, à niveau de l'école. Bonsoir, Clotaire. Du coup, la sécurité, c'est sûrement super important. Alimentation, très bien. Du coup, on peut dire les services de base. La santé, très bien. Des opportunités éducatives et sociales, très bien. Du coup, la famille, des connexions avec les autres, très bien. Un sentiment d'appartenance. Bon, je vois que vous êtes déjà tous et toutes super experts. Du coup, je vois beaucoup de. Très bien aussi l'identité. On a vu, du coup, services de base. Après, beaucoup d'entre vous, ils ont parlé exactement de les sentiments d'appartenance, d'identité, le fait de se sentir connecté avec quelqu'un. Là, si on peut aller à la next slide, comme ça, je vous donne la réponse pour la INI, pour l'INE. En fait, peut-être si vous pouvez aller, c'est la slide d'après. Je vais montrer les besoins. Je me souviens, next slide, get more. Voilà, so, je voulais vous montrer ça. Voilà. Alors, pour l'INE, et du coup, je dirais pour toutes les ONG, les agences des Nations Unies, le ministère, après, chaque organisation a sa propre stratégie et sa propre façon de développer ses cadres de référencement, de rélevance, pardon. Mais on peut dire que 100% des ONG qui travaillent dans l'appui psychosocial, ils travaillent sur ces six facteurs, sur ces six besoins que tous les enfants ont et dont on doit travailler pour les aider à retrouver leur bien-être après une crise. Du coup, on a six, beaucoup d'entre vous, ils ont déjà identifié ça. On a les sentiments d'appartenance, la stimulation intellectuelle, la stimulation physique, l'attachement personnel, du coup, avoir une relation avec quelqu'un et se sentir aimé, les parents, la communauté, les enseignants même. Non, voilà, merci. Les cinquièmes, se sentir valorisé. Et les sixièmes, les relations avec les pères, entre les pères. Ça, c'est vraiment la base. Du coup, quand je sais pas, vous allez entendre, ah oui, on a un programme d'appui psychosocial. Ça veut dire qu'on travaille sur ces six principes. Après, il y a des ONG peut-être qui ou des organisations qui se focalisent plus sur un besoin parce qu'ils sont plus forts, par exemple, dans, je sais pas, la stimulation intellectuelle ou dans l'estime en soi. Mais en général, on doit toucher tous ces six besoins. Maintenant, encore une petite participation active de votre côté. Si vous pouvez écrire dans le chat des exemples de comment on peut, dans nos projets, dans notre programme d'éducation en situation d'urgence, favoriser ces besoins. Du coup, peut-être vous pouvez écrire, par exemple, qui c'est les sentiments d'appartenance, écrire groupe de. Groupe de. Voilà. Donc, si vous pouvez lire les six besoins que je viens de montrer,
et écrire un peu comment, dans la pratique, parce que la théorie, c'est toujours très joli, mais après, c'est la pratique, la chose qui nous intéresse comme acteur de terrain. Et du coup, je vous laisse réfléchir un peu. Et l'idée, c'est de vous les lancer dans l'opportunité aux enfants de s'exprimer librement à travers un cadre approprié. Très bien, merci beaucoup. Intégrer des jeux, très bien, qui permettent les jeux. Très bien. Merci beaucoup, Coromiti. Voilà, par exemple, les jeux. Maintenant, je dirais que la majorité des organisations, il y a un peu cette vision que, ah oui, les jeux, effectivement, c'est important parce qu'effectivement, ça aide à rétablir un peu le sens de normalité. Et oui, c'est très important pour avoir un bon programme de soutien psychosocial. Okay. Impliquer les enfants, l'écoute active, très bien. Après, on a Laurent qui dit impliquer les enfants dans des processus de traumatisation en utilisant les jeux, les chansons. Voilà, très bien. Du coup, il faut rendre l'activité sympa, il faut rendre l'activité léger pour les enfants. Après, tout à l'heure, on va voir la pyramide d'intervention. Mais voilà. Cadre des rencontres, oui, voilà, la solidarité entre eux. Par exemple, par rapport à les besoins de la stimulation intellectuelle, l'effet déjà que vous allez fournir un programme d'éducation, un programme d'éducation en France, même s'il n'y a pas de psy, même s'il n'y a pas des enseignants qui ne sont pas encore formés en appui psychosocial, déjà l'effet d'ouvrir un centre d'apprentissage temporaire aide la stimulation intellectuelle, aide l'enfant à se relever. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup des activités qu'on fait déjà et peut-être on ne sait pas qu'on est en train de favoriser l'appui psychosocial, mais on le fait déjà. Bon, après, je vous invite à réfléchir un peu à ça. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, du coup, on avance à la prochaine slide. Merci pour qui a écrit dans le chat. Très bien aussi, voilà. Par exemple, ici, c'est un peu les exemples des réponses pour chaque besoin. Qu'est-ce que sont des réponses d'une intervention psychosociale possible? Et franchement, c'est plus ou moins ce que vous venez d'écrire dans le chat. Je vois aussi l'importance, merci Josaphat, pour avoir souligné l'importance du travail avec les parents, surtout pour les enfants accompagnés. Ici, il y a des exemples de comment pratiquement on peut faire des interventions pour cibler ces 6 besoins. Merci. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Comme Émiline vous présentait au début, elle parlait d'appui psychosocial et elle parlait aussi d'apprentissage socio-émotionnel, qui en anglais c'est social emotional learning. Peut-être que vous avez entendu le mot en anglais. Première question, et écrivez s'il vous plaît dans le chat. C'est plus ou moins la même image, non? Il y a la même petite fille au centre, il y a cette fois 6. Ici, on les appelle compétences dans la slide avant. Dans les slides avant, c'était besoin. Avant de répondre à la question d'Iris, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que c'est de différent entre la slide, la diapo d'avant et la diapo de maintenant? Il y a quelque chose dans l'image qu'il n'y avait pas dans l'autre image. Paola, il y a Irissa qui demande si c'est la différence entre ASE et SPS. C'est Oui, bien je veux, ça? je veux. Oui, non, je lui répondre tout à l'heure. Je voulais seulement demander si vous avez remarqué que dans l'image, il y a quelque chose de différent. Si vous pouvez aller, oui, vous pouvez écrire dans le chat. Non, arrière, s'il vous plaît, back. Back. Encore.
Voilà, regardez ça et la boîte. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez, si vous pouvez aller, if you can go to the other slide now, avancer. Voilà, non, arrière, back. Non, back. Voilà, yeah. Perfect. Non, exactement. C'est ça que je voulais vous. Je ne sais pas qui a écrit la boîte. Très bien. Coromiti, merci. Après, tout à l'heure, je vais répondre à la question de Trissa. La boîte, exactement. Du coup, la différence entre l'appui psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel, c'est que l'appui psychosocial, on peut imaginer comme tous les processus qui va soutenir les relèvements de l'enfant. Pour soutenir son bien-être holistique. Ça, c'est le PSS, soutien psychosocial, avec les 6 besoins qu'on vient de voir. Quand on parle d'apprentissage social-émotionnel, il y a une boîte dans l'image, parce que ça nous aide à penser qu'il y a une boîte, parce qu'avec cette activité, ces activités, on va apprendre à faire quelque chose. Du coup, l'apprentissage socio-émotionnel, on peut le voir comme une façon de faire l'appui psychosocial. C'est une composante, en fait, d'appui psychosocial. Parfois, dans certains curricula, ils appellent apprentissage socio-émotionnel life ou co apprentissage de compétences de vie. Parce qu'on apprend on peut dire, on donne aux enfants, aux jeunes, des outils pour répondre à une compréhension de leurs émotions et de leur relation avec les autres. Du coup, c'est un peu ça la différence. J'espère, Trista, que j'ai bien répondu à ta question. Du coup, pour l'apprentissage socio-émotionnel aux compétences de vie, on peut les appeler aussi, on a la conscience de soi, l'autogestion, la conscience sociale, l'établissement des relations et la prise de décision responsable. Maintenant, dans vos programmes éducation, est-ce que vous avez des activités qui visent à travailler sur l'apprentissage socio-émotionnel, maintenant qu'on a clarifié un peu ce concept? Vous pouvez mettre les pouces oui ou pas répondre si oui. Merci beaucoup. Très bien. Parce que parfois, on fait les choses, on fait déjà de l'appui psychosocial, mais on ne s'y rend pas compte. Donc, c'est intéressant de voir la théorie parce qu'après, on peut dire, ah oui, en effet, on le fait déjà. Voilà. C'est un peu ça aussi l'idée de réviser ça ensemble. Maintenant, ici, cette slide aussi, elle nous explique un peu les faits qui. Quand on a un programme d'appui psychosocial, l'appui psychosocial peut être préventif. Du coup, on a des activités qui favorisent le bien-être holistique des enfants, même avant une crise. Du coup, est préventive et ça, c'est fait pour limiter les risques de développer des problèmes de santé mentale lors d'une crise ou d'un trauma. De la crise, par exemple, ou curative. Du coup, dans la réponse, par exemple, in éducation en situation d'urgence, on a beaucoup d'activités qui sont préventives, mais surtout curatives, parce qu'on répond avec des stratégies, des espaces d'amis d'enfants, des espaces temporaires d'apprentissage, etc., pour limiter l'impact que la crise peut avoir sur les bien-être psychosocial des enfants. Voilà, merci beaucoup aussi Catherine pour avoir défini encore mieux la différence entre l'appui psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel. Et aussi, voilà, dans cette dernière slide, vous pouvez voir voilà, merci. Maintenant, je pense que la prochaine slide, si vous pouvez avancer.
Voilà. OK. Est-ce que ça, encore une fois, on a parlé de, on parle de, encore une fois, la théorie. Donc, ça, encore une fois, c'est la base de toutes les, même plus que les deux slides d'avant. Ça, c'est vraiment la base de toutes les interventions de santé mentale et appui psychosocial en urgence. Ça, c'est la pyramide d'intervention sur la santé mentale et l'appui psychosocial. Et on a quatre niveaux. Je pense que la majorité d'entre vous a déjà vu cette pyramide. En fait, l'idée, c'est que ensuite d'une crise qui peut être de nature humaine ou de nature humaine ou mixte, la totalité. Donc on regarde la base de la pyramide. La totalité des populations qui a été affectée par la crise va avoir besoin de services de base et de sécurité. Du coup, tout le monde va avoir besoin de l'eau, de la nourriture, d'un abri, de la sécurité, de l'éducation aussi. Du coup, tout le monde a besoin de ça. Et déjà, si on arrive à fournir ça, on peut dire le stress, on peut dire on aide les populations affectées à se sentir mieux, à être moins affectées par la crise. Ça, du coup, la base de la pyramide, c'est la base, du coup, vous voyez, c'est plus grand et cible tout le monde. Mais évidemment, ça, c'est pas suffisant. Du coup, après ce service de base, il faut, pour aider le rétablissement du bien-être holistique, fournir d'autres services, qui est un service à niveau de la communauté et un service à niveau de la famille. Du coup, par exemple, engager la communauté dans des activités récréatives ou dans des activités pas structurées, mais pour favoriser, par exemple, la socialisation entre les enfants et soutenir dans ce sens. Et ça aussi, ça va être service qu'on donne à la majorité des gens. La base, service de base. Après, on se concentre sur fournir des services communautaires et pour la famille. Après, il y a toujours un petit groupe qui a besoin d'un appui un peu plus soutenu. Et du coup, on peut créer aussi on peut donner aussi un autre service. Par exemple, créer des petits groupes de discussion entre les jeunes ou créer des petits groupes de rattrapage pour les enfants. Avec des enseignants formés sur l'appui psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel. Et ça va être pas un service spécialisé, mais un service avec des petits groupes, on peut dire, on cible. On va pas à fournir les services à tout le monde, mais on va cibler des petits groupes. Et finalement, il y aura, en tout cas, même si on fournit les trois niveaux, un petit groupe qui aura besoin en tout cas d'un service spécialisé pour se relever. Du coup, la pyramide, ça nous aide à réfléchir sur ça. Quand on parle de santé mentale et appui psychosocial, on a différents niveaux d'intervention. Même fournir l'eau et fournir des abris, c'est une réponse qui favorise le bien-être. Même créer des endroits où les enfants peuvent jouer, favoriser le bien-être. Même créer des petits groupes, des paroles entre les jeunes, favorise le bien-être. Et l'idéal, le pic de la pyramide, c'est d'avoir en tout cas des services très, très spécialisés, préférer les gens qui ont besoin d'un appui un peu plus technique et, par exemple, de l'appui de psychologue ou de counselor. Du coup, la pyramide, c'est effectivement c'est pour ça, pour nous expliquer que toutes les interventions aident à favoriser le bien-être. Maintenant, dans la prochaine slide, si je me souviens bien, on a des. Non, celle-là d'après. On a
Non, pardon, after. After. Voilà. Maintenant, ici, regardez pas les questions. Regardez pas les questions à droite. Regardez seulement les images. Par exemple, si je regarde l'image A et on pense à la pyramide, dans quel niveau de la pyramide vous placerez l'image A? Vous vous souvenez, service de base, service pour la communauté et la famille, service non spécialisé, service spécialisé. Image service de base, merci beaucoup Clotaire, très bien, parce qu'on peut imaginer que c'est dans l'école. Service de base, très bien. On peut imaginer que ça, c'est en salle de classe. On imagine que c'est en salle de classe et on fait des activités avec les enfants. Du coup, on ne cible pas les enfants, mais on fait une activité avec eux. Très bien, merci beaucoup. Si on regarde l'image B, c'est quoi ça, votre avis? C'est dans quel niveau de la pyramide? La fille qui joue avec la corde. Merci beaucoup, Josaphat, pour la question, pour la réflexion plutôt. Je reviens là tout de suite. Je ne sais pas combien de temps j'ai toujours. La B, avant de répondre à la question de Josaphat, communauté et famille, merci beaucoup, Clotaire. Voilà, on peut imaginer, hein, après, on n'est pas méga strict. C'est ça. Moi, j'imagine que ça, c'est une activité récréative avec les enfants. Et du coup, on organise ces activités avec la communauté. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. À toi aussi. Et merci, Yacouba. Très bien. Je vois que la pyramide est claire. Maintenant, on voit, si on regarde le C, on finit avec le C. Vous imaginez que c'est à quel niveau le C? La femme avec les jeunes hommes. Si on pense service spécialisé, très bien, merci beaucoup. Voilà, encore une fois, on peut imaginer, très bien, tout le monde, merci. On peut imaginer qui y arrive. Très bien, bon, vous avez très bien compris la pyramide, je suis contente. Laissez exactement, c'est ça. On imagine, c'est un entretien individuel. On peut imaginer que là, c'est un psychologue ou un counselor ou quand même quelqu'un de formé. Qui a un entretien individuel avec ses adolescents, j'imagine. Et voilà, peut-être qu'il a besoin d'un appui un peu plus individualisé, un peu plus spécialisé. Avant je pense que ma partie est terminée. Avant de redonner la parole à Emeline, je vous remercie, même si c'est en ligne sur le chat comme ça, je vois que vous êtes très engagée. Ça me fait très plaisir. Et je voulais seulement laisser quelques secondes de réflexion à ce que Josaphat vient de dire. Il dit merci Paola, le plus grand problème que nous avons dans la planification, c'est que les fonds alloués à l'éducation ne parviennent pas à couvrir une bonne partie des aspects PSS. Ça, c'est effectivement un grand défi. Nous, qui est là maintenant aujourd'hui? Je pense que Emeline et Esther et Michel, ils sont tous d'accord avec moi. Nous, on est là parce qu'on croit vraiment que l'appui psychosocial doit faire partie de la réponse éducation. Un enfant qui est traumatisé, il apprend pas. Du coup, la première activité à faire en première urgence, c'est répondre à son besoin de sécurité, de créer une routine, etc. Pour ça, de ce groupe de travail, cette activité organisée par l'INE, sont capitales pour collecter des évidences et après pour nous aider à faire des plaidoyers à niveau de bailleurs de fonds, à niveau de gouvernement, pour leur dire, OK, on a besoin de plus d'attention sur ces thèmes. Merci pour avoir soulevé ça, Josaphat, c'est très important. Bon, merci beaucoup.
Merci à vous. Vous êtes très gentil à écrire ça dans les chats. Et on reste, je suis là pour toute la présentation. On reste en contact en tout cas. Et merci, Emeline, et merci, Esther. Merci beaucoup Paola. Et c'est vrai que vu l'engagement des participants, ta présentation, c'est un signe que ta présentation était très bonne. Donc merci. Josaphat, tu as la main levée. Est-ce que tu as une question ou bien c'était la réflexion qui a déjà été partagée? Merci, Emeline. C'est juste une deuxième réflexion. Au fait, nous avons connu un événement très, très douloureux ici en RDC, au sud Kivu, où là, il y a eu des inondations qui ont emporté beaucoup de personnes dans le territoire de Kalehe. Il y a eu des familles qui ont perdu plus de familles qui ont perdu plus de 60 ans, de 60 personnes. À un moment, le cluster m'a demandé d'aller faire une formation en soutien psychosocial. J'ai été dans la zone, mais nous avons trouvé des enseignants, un enseignant qui a perdu ses 9 enfants et sa femme. Il reste le seul et il est enseignant et il doit être traumatisé, il doit encadrer les enfants traumatisés aussi qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères dans ce sens-là. Nous avons essayé de faire des structures communautaires pour encadrer les activités psychosociales et récréatives dans la zone, mais les mêmes parents, les mêmes encadrés sont aussi traumatisés. Ça a été vraiment un défi pour nous. Jusqu'au moment où on n'a plus su comment gérer cette situation. Je ne sais pas si vous avez une autre expérience qui peut nous aider à nous tenir dans ce sens-là, dans de telles situations. Merci. Merci Josaphat. Peut-être que de donner un exemple précis, c'est un peu compliqué comme ça en direct, un exemple concret. Moi, on aurait tendance à dire que dans ce genre de situation, il faut renforcer justement les systèmes qui sont mis en place dans la pyramide. Mais je ne sais pas si Paola a une réponse concrète. Ou bien si quelqu'un Oui. d'autre peut contribuer à Oui, vous. je peux essayer de répondre à Josaphat. Si je me souviens bien, Josaphat, tu avais écrit dans le chat que tu travailles en DRC, c'est ça? En RDC. Exact. OK. Bon, par exemple, je peux partager la réponse des NRC en collaboration avec les ministères, formation des enseignants et en appui psychosocial, avec le module AFSI. Et maintenant, avec des modules NRC aussi, référencement des cas. C'est un peu aussi là, dans le même sens d'Emeline. Voir à niveau des secteurs qui est disponible. L'important, c'est qu'au moins les enseignants ils reçoivent une formation de base. Comme ça, ils peuvent détecter, ils peuvent dire, ah oui, OK, ça, c'est un cas que je suis capable de gérer. Ça, c'est un cas que je ne suis pas capable de gérer. Je peux référer les cas à une autre organisation qui est capable de faire la prise en charge. En tout cas, je peux te laisser mon contact et je peux te mettre en contact avec nos collègues en RDC. Comme ça, tu peux échanger avec nos collègues là-bas. Parce que je suis en ligne aussi avec Emeline, que ça, c'est un cas très spécifique, mais on peut faire les suivis à côté si ça t'intéresse. Merci. Merci. J'aurai vos contacts. Merci, par Emeline, et on va échanger en bilatéral. Tout à fait. Merci beaucoup, Paola. J'ai vu que Laurent avait la main levée. Laurent, vous avez une contribution à apporter? Oui, merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Paola. Merci, Josaphat, pour la question. C'est vrai que nous avons ce qu'on appelle sentiments et émotions. C'est vrai que les cas que notre collègue Josaphat a soulevés, c'est vraiment un cas qu'il faut vraiment référer, comme Paola l'a montré. Mais à mon niveau, j'ai travaillé avec FHE 360. Je venais de terminer une consultance avec eux au mois de mars, où nous avons écrit des recueils. Je vais en parler pendant mon exposé.
D'abord, trois recueils, un recueil en swahili, un recueil en chiluba, un recueil en lingala, où on montre comment on peut surmonter, on peut traumatiser tous ces éléments-là à travers les valeurs, à travers les valeurs traditionnelles ou culturelles, comme les jeux, les chansons, les devinettes, les contes. On pourra en parler peut-être en détail dans d'autres sessions. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a des éléments qu'on appelle des émotions qu'il faut directement adresser et qui sont parfois passagères, mais les cas là, c'est un cas déjà assez élevé qui exige que on réfère la personne à un service spécialisé. Mais au niveau de l'éducation, je crois que si FHU pouvait vulgariser ces trois recueils-là, ça aiderait beaucoup, beaucoup pour la pensée socio-émotionnelle. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Je vais m'adresser à Esther. Esther, is the break just like a stretch break or are we having a real break? Can No, you... just to stretch. We can stand up and stretch as we invite Sonia to come. Okay. Donc, si vous avez besoin là de bouger un petit peu, c'est le moment de le faire. Moi, je vais faire la présentation de notre prochaine intervenante qui va donc nous présenter la boîte à outils du soutien psychosocial et de l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, les acronymes, c'est SPSASE en français. Vous pouvez prendre une grande respiration, souffler un peu, boire un verre d'eau. Et donc, on accueille Sonia Temko, qui est manager de recherche au laboratoire EASEL, donc EASEL, de la Harvard Graduate School of Education. Et c'est là qu'elle travaille actuellement sur plusieurs projets, un ensemble de projets internationaux de ce même laboratoire. Ses recherches portent sur la contextualisation et l'adaptation de l'apprentissage social et émotionnel. En vue de chercher la pertinence culturelle dans divers contextes. Et elle fait partie de l'équipe qui a travaillé au développement de la boîte à outils. Donc, c'est pareil, j'ai normalement une... Est-ce que Sonia est là? Oui, je suis là. Bonjour Sonia, merci d'être là. Donc, tout comme je l'ai fait pour Paola, j'ai une question à poser aux participants et puis ensuite tu pourras commencer. Alors la question c'est, avez-vous déjà utilisé les ressources de l'INE sur le bien-être des enseignants? Mais non, je ne peux pas la lancer. Je vais réessayer et sinon on va avancer, c'est pas grave. Donc, ça ne fonctionne pas. Pourtant, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais vous poser la question comme ça. Du coup, avez-vous déjà utilisé les ressources de l'INE sur le bien-être des enseignants? Et vous pouvez écrire dans le chat en mettant un pouce si c'est oui. Et un pouce en bas si c'est non. En fait, j'aimerais bien savoir aussi si vous avez déjà utilisé la boîte à outils de SPSSI, PSSSI Toolbox. Je vois beaucoup de noms. Pardon. Oui, et merci à Isol. Donc, Catherine, c'est du positif. Et pour les autres personnes, eh ben, j'espère que grâce à l'intervention de Sonia, vous allez pouvoir avoir l'envie d'aller ouvrir la boîte à outils et chercher les outils qui seront utiles à vos travaux. Je te laisse la parole, Sonia, et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Emeline. Et bon, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui.
Pour parler de la boîte à outils, on peut passer. We can go to the next slide, please. Il y a beaucoup de défis actuels dans le domaine de SPACAZ. Surtout, il y a plusieurs cadres différents pour ce domaine et ils utilisent différents noms, différentes définitions et différentes stratégies de mesure. Il est donc difficile de comprendre les preuves liées à des compétences spécifiques et de communiquer efficacement entre les associations ou bien les partenaires. Ce manque de transparence et de cohérence a un effet négatif sur la capacité à promouvoir, mesurer et suivre les progrès des efforts en SPS et AZ. Et on sait aussi que la culture et le contexte influencent le développement du bien-être et du développement social et émotionnel, mais la majorité des recherches en ce domaine vient des États-Unis et d'autres contextes similaires. Donc, on a besoin de plus de recherches qui portent vraiment sur comment l'apprentissage socio-émotionnel et les soutiens sociaux, psychosociaux, comment ça se passe dans des contextes divers dans le monde et dans des contextes divers des situations d'urgence. So, next slide, please. Notre réponse à ces défis, c'était la boîte à outils dont je vais vous parler. Il y a trois types de ressources différentes dans la boîte à outils. La première, c'est les outils de données. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche. La deuxième, c'est les outils de localisation. Et la troisième, c'est d'autres ressources. Et je vais en parler beaucoup plus tout à l'heure. Next slide, please. Mais avant de se lancer dans la boîte à outils, je voulais juste vous dire que la boîte à outils fait partie d'une action collective pour faire progresser les évaluations de SPS et AZ. Donc, il y a aussi la bibliothèque des évaluations, the INEE Measurement Library, où on peut trouver des mesures qui sont utilisées un peu partout dans le monde, dans d'autres situations d'urgence. Il y a aussi des ressources de USAID et UNICEF, d'un task force de mesures, qui ont fait une carte qui montre un peu comment ça se passe actuellement dans les situations d'urgence, comment on fait, quels sont les défis surtout qu'on a dans le domaine de évaluer les compétences d'AZ. Voilà, donc il y a d'autres ressources aussi et la boîte à outils en fait partie. Next slide, please. Donc, pour créer la boîte à outils, on a eu les contributions des parties prenantes à chaque étape. C'était un projet qui a duré 3 ans et on a eu un super groupe de référence. Il y avait aussi des groupes de réflexion qui nous ont donné plein de feedback et qui nous ont beaucoup aidé à améliorer les produits. Et on a aussi fait un test sur le terrain dans 13 pays différents avec des organisations de référence. Et Laurent, il va nous en parler parce qu'il était une de nos organisations. Donc, tout à l'heure, je vais passer la parole à Laurent pour qu'il nous explique ce qu'il a fait avec la boîte à outils. Mais on ne pourrait pas faire ce qu'on a fait sans tous ces partenaires extraordinaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait créé la boîte à outils? L'objectif, c'est d'appuyer sur les données prouvantes
relative au SPACAZ, tout en reconnaissant que ces données sont largement basées sur des contextes stables et qu'elles doivent être localisées pour en assurer la pertinence, la signification et l'adaptation aux environnements de l'éducation en situation d'urgence. Donc, pour faire ça, il y a les outils de données qui montrent des approches actuelles, les cadres et la terminologie que les gens utilisent actuellement dans le terrain. Il y a aussi les outils de localisation qui garantissent la pertinence, la signification et l'adaptation aux environnements en situation d'urgence. Next slide, please. Donc, dans la boîte à outils, je vais juste vous dire un petit mot. Je vais juste dire un petit mot sur les langues. Donc, les outils de localisation ont été traduits et sont actuellement en cours de développement graphique dans les autres langues de l'INE. Pour être partagés sur le site web. Donc, ils vont bientôt être disponibles en arabe, en français, en portugais et en espagnol. Mais les outils de données, ce n'était pas possible pour nous de les traduire parce qu'on a vraiment besoin d'autres financements parce que ce serait un plus grand projet. Et je vais vous montrer, vous allez voir tout à l'heure de quoi je parle. Mais toutes les autres ressources, qui sont en lien dans la section des ressources. Ils sont disponibles dans toutes les langues de l'INE. Et un mot sur les cadres. Dans ce projet, next slide, please, Esther. Thank you. Dans ce projet, nous utilisons le terme cadre pour dire en fait plein de choses, pas qu'un cadre traditionnel, parce qu'on avait voulu vraiment inclure plein d'approches, plein d'efforts que les gens font partout dans les situations d'urgence. On voulait vraiment être inclusif pour notre appel. Donc, on a un peu élargi la portée de cadre pour inclure les cadres normaux, mais aussi les champs d'application et séquences de licence, par exemple, les ressources de formation et plein d'autres choses. Donc, vous allez voir dans les noms de documents que ce n'est pas toujours juste les cadres normaux. Next slide, please. Next slide again. And next slide again. Thank you. Donc, je vais bientôt passer au site direct, mais je voulais juste vous dire que pour les outils de localisation, eux, ils étaient faits pour explorer les besoins locaux, rassembler les contributions locales et mettre en évidence et privilégier les perspectives locales pour informer sur le développement ou l'adaptation du matériel de SPSAZ dans votre organisation, votre pays ou votre contexte. Et ils sont flexibles, ils peuvent être utilisés tout seuls ou bien en séquence. Ils ont tous des guides de réflexion pour, à chaque étape, vraiment réfléchir à votre contexte. Next slide, please. Et je pense que je vais parler tout ça en vous montrant les outils directs. So I will take over screen sharing now, Esther. Donc, je vais lancer directement dans la boîte à outils pour vous montrer comment ça marche. You can see it? Vous pouvez le voir. Voilà la boîte à outils. On va commencer par regardez très vite les outils à donner. Donc, on va commencer par Compare Domains. Ici, on peut voir tous les cadres. Donc, il y a 70 cadres
Et on peut voir l'emphase il donne ou l'accent il donne sur chacun des six domaines de l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, les domaines sont cognitifs, émotions, sociales, valeurs, perspectives et identité. Et si on s'intéresse, par exemple, aux cadres qui sont disponibles en français, on peut trier pour voir language, langue, et sélectionner français, désolé. Donc, on peut voir qu'il y a six cadres qui sont disponibles en français. Ils sont ici et on peut voir l'accent de chacun d'eux aux domaines différents. Donc, si on s'intéresse à un domaine ou bien une compétence particulière, on peut le voir ici, on peut comparer comment cette compétence il se présente dans les différents cadres. Donc, j'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui a dit que pour les situations d'urgence, la gestion des émotions, c'est très important. Donc, je vais aller dans la domaine d'émotions pour voir qui entre ces cadres qui sont disponibles en français donne le plus d'accent sur l'émotion, la domaine d'émotion. Et je vois que y a Model Melko Framework qui fait à peu près 30%. Il y a aussi Self-Healing and Learning Spaces qui donne aussi à peu près 30% d'emphase. Et je vais aussi aller un peu plus loin pour voir exactement l'emphase sur la gestion des émotions. Donc, je vais cliquer sur Show Subdomains et je vais cliquer encore sur Emotional and Behavioral Regulation pour voir que, en fait, c'est la note de INII dont on parlait tout à l'heure. Qui donne la plus d'emphase entre eux sur la gestion des émotions. Et on peut voir aussi que combien les autres ils ont dans ce domaine. Donc, on voit que, par exemple, Watatawa Amani et Safe Healing and Learning Spaces, ils donnent chacun à peu près 30% de leur emphase dans le domaine d'émotions sur la gestion des émotions. Donc, c'est un de nos outils à donner. Donc, je vais passer à l'autre. Au prochain, je vais regarder Compare Frameworks. Ici, on va comparer deux cadres. On a gardé nos résultats de trier ici pour avoir encore les documents qui sont en français. Et on peut choisir les documents à regarder, à comparer. Donc, moi, j'ai voulu voir Watatawa Amani parce que je sais qu'il y a plein de gens ici qui sont dans la région de l'Afrique du Sud. Et je sais que Watatawa Amani, c'est un cadre qui vient justement de RDC. Et on va comparer avec Safe Healing and Learning Spaces parce qu'on a vu que ces deux cadres, ils donnaient chacun à peu près 30% de leur emphase de la domaine d'émotion sur la gestion d'émotions. Donc, je veux voir si est-ce qu'on peut voir des liens entre eux qui seront un peu intéressants. Ce que je remarque tout de suite, c'est que même s'ils ont tous les deux donné l'emphase sur la gestion des émotions, on ne voit pas de lien direct entre ces deux cadres et leur façon de définir la gestion des émotions. Par exemple, ici, c'est marqué Emotion Regulation, mais il n'y a pas de lien d'Emotion Regulation aux
au terme dans Watato-Amani. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à remarquer. Mais on voit qu'il y a des connexions, par exemple, entre l'esprit critique du Watato-Amani et la résolution de conflits dans ces Feeling and Learning Spaces. Voilà. Donc, je vais passer à Compare Terms. Ici, ce qui est un peu intéressant, c'est que si jamais vous vous intéressez, par exemple, à une compétence spécifique comme la gestion des émotions, vous pouvez voir où ça se trouve dans l'organisation ou la structure de chaque cadre. Donc, comme on est toujours dans les cadres de français, je vais sélectionner ça pour voir que, voilà, la gestion des émotions se trouve dans Watato-Amani, particulièrement dans leurs termes de négociation et de médiation. Et dans ces Feeling and Learning Spaces, ça se présente dans la régulation des émotions. Et encore, je vais passer maintenant au thesaurus. Donc ici, vous pouvez voir les définitions dans chacun des cadres pour la compétence ou le terme qui vous intéresse. Donc, comme nous, on s'intéresse aux emotion regulation, on peut voir où ça se trouve dans chaque cadre. Donc, on peut voir que ce terme-là, il est dans plein de cadres et on peut cliquer pour voir. Oh non, ça ne marche pas, celle-là. Désolée, je relance. Donc, disons qu'on s'intéresse au la gestion de soi, on peut voir que ici, la gestion de soi dans Amal Alliance est définie comme ça. Et on peut aussi voir dans d'autres cadres où ça se trouve. Et ici en bas, on peut voir même le niveau d'association aux autres définitions des termes qui sont peut-être d'un autre nom, mais qui sont similaires et leur niveau d'association. Et si jamais on veut voir toutes les définitions de self-management, on peut cliquer sur ça et on peut le voir dans tous les cadres directement. Voilà. Dernièrement, j'ai juste vu montrer Compare Well-being. Donc, ça. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était vraiment l'apprentissage socio-émotionnel. C'était les compétences spécifiques de l'apprentissage socio-émotionnel. Mais en développement de la boîte à outils, on a voulu vraiment aussi penser au SPS. Donc, c'est comme ça qu'on l'a fait. On a défini cinq domaine de bien-être et on peut voir aussi la façon dont ces cinq domaines ils se présentent dans chaque des cadres et on peut même voir dans quel détail. Donc, par exemple, si on s'intéresse beaucoup aux sûretés psychosociales, on peut voir que le Children's Resilience Program met beaucoup d'emphase sur le sûreté et surtout sur le sûreté psychosociale. Voilà, plus que d'autres façons, plus que d'autres domaines de sûreté. Et voilà les outils à donner. Maintenant, je vais passer aux outils de localisation. Et
Je vais juste vous montrer vite fait comment ça se présente sur le site. Voilà, donc il faut savoir que les outils de localisation peuvent être utilisés comme ça. Un seul, vous pouvez dire, moi j'ai envie de d'identifier les besoins de mon contexte. Donc je prends cet outil-là et ça y est, c'est tout ce que je vais faire. Ou bien, si vous avez envie de faire un processus de contextualisation qui est plus exigeante, vous pouvez le faire avec tous les outils en coordination ou bien en combination. Et pour vous montrer très vite les outils, en fait, je vais utiliser l'onglet juste ici pour vous démontrer comme c'est déjà ouverte. Donc, pour cet outil d'identifier les besoins et les atouts, c'est un grand document qui vous mène avec plein de des étapes à suivre si vous voulez, où vous pouvez planifier quelles sont les questions et les gens que vous voulez avec qui vous voulez poser ces questions. Et il y a aussi des banques de questions où vous pouvez, il y a aussi des, enfin, il y a plein de guidance. Emeline, sorry, what's the word for guidance? Pardon, orientation, des orientations. Merci, merci. Il y a plein d'orientations justement pour vous aider à synthétiser des informations que vous avez rassemblées lors de vos entretiens ou vos groupes focaux. Et je veux juste vous montrer qu'il y a plein de questions auxquelles plein de questions pour vous regarder et pour en choisir quelles sont les plus pertinentes de vos objectifs. Donc, par exemple, si vous voulez poser des questions pour comprendre quelles sont les compétences les plus importantes de mon contexte, vous pouvez poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de réussir dans votre contexte. Par exemple, il y a plein de questions à choisir. Ils sont tous organisés par des thèmes. Et avec ça, je vais passer au... Je vais passer au Learn About Skills. Je pense que cet outil va vous intéresser beaucoup dans ce groupe parce que c'est avec cet outil que vous pouvez apprendre encore de l'SPS et de l'ASE. Et je vais ouvrir en fait la version française qui est en développement graphique. Donc, on fait des excuses pour the look. Mais voilà, je vais share my screen. Sorry. Pardon. Prends ton temps, Sonia, pour trouver les documents. Je sais que sur les écrans, ce n'est pas toujours facile à voir. Merci. Et s'il y a des participants qui ont des questions, vous pouvez en profiter pour les poser dans la barre de discussion. Saïdou, j'ai bien vu ta question, on y reviendra tout à l'heure. Ok, c'est bon. Désolée. Donc, ici, c'est l'outil d'apprendre sur les compétences. Et ici, vous allez trouver un inventaire des concepts SPAC et ASE et vous pouvez utiliser cet outil pour vous familiariser avec les compétences et les caractéristiques spécifiques de bien-être
qui soutient les résultats positifs pour les enfants et les jeunes. Et je vais vous dire que voilà, il y a plein d'explications sur l'espèce élasée et aussi on décrit aussi comment ils en font partie ou comment ils s'associent. Chaque domaine dont j'ai parlé tout à l'heure pour les outils de données est décrit ici, ainsi que dans l'inventaire des compétences, on voit qu'il y a 24 aptitudes et compétences d'ASE liées aux résultats de l'enfant. Et on a des noms, par exemple, le contrôle d'attention, avec d'autres noms qu'on voit souvent dans le terrain, et la description de chacun. Et on a ça pour les 6 domaines dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi ça pour les caractéristiques de bien-être. Donc, vous allez trouver aussi l'inventaire de bien-être ici, avec les descriptions de chaque élément de bien-être. Et à la fin de ce document, il y a aussi un guide de réflexion pour vous orienter aux questions, enfin, pour vous poser des questions aux pertinences de chacun de ces compétences et ces caractéristiques du bien-être dans votre contexte. Voilà, c'est ça, Learn About Skills. Et je vais pas vous montrer directement les autres outils pour garder un peu de temps pour nos collègues encore, mais je vais juste vous dire que il y en a d'autres qui font encore plus de choses. Donc, je vous ai montré ces deux-là, mais il y a aussi les outils pour prioriser selon le contexte local et pour valider selon le contexte local. Et si jamais vous avez des objectifs pour créer un nouveau cadre ou bien pour valider des matériaux que vous avez déjà ou que vous utilisez déjà, ce sont des ressources qui sont là pour vous à utiliser. Et il y a aussi d'autres ressources que je veux juste faire très vite vous montrer qui portent sur le toolbox, mais il y a aussi des exemples de comment nos partenaires ont utilisé la boîte à outils dans leur travail existante de socio-émotionnel et de soutien psychosocial. Et vous pouvez voir leurs exemples, soit en vidéo, soit en cas écrit. Et voilà, il y a Laurent. Et avec ça, je pense que je vais passer la parole à Laurent. Merci à tout le monde. Merci Sonia. On avait une question de Saïdou qui demandait si ça veut dire qu'il y a des domaines qui ne se trouvent pas dans certains cadres. Oui, les décisions de domaine, enfin, c'est vraiment ceux qui ont développé leur cadre, ça dépend de eux, leurs priorités à eux. Par exemple, si une organisation est vraiment concentrée sur, je sais pas, l'esprit critique, peut-être eux, ils vont pas avoir beaucoup de choses ou bien rien du tout dans le domaine des émotions, par exemple. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sonia avant d'avancer pour la partie de Laurent? Non, c'est des remerciements pour la présentation. Merci beaucoup, Sonia. Et Merci. bravo au niveau linguistique, tu es une championne du français. Tout comme Paola. Je tiens à le préciser que vous n'êtes pas native en français et vous avez fait un super travail avec de la terminologie très difficile. Donc vraiment bravo à toutes les deux. On vous partagera tout ce qui est ressources. Je vois que Bilal Seon demande
s'il peut avoir le document sur les ressources SPS ASE de l'INE, on vous le partagera par la suite. Donc, on va passer à Laurent Mupemba, qui est actuellement consultant indépendant et fondateur d'une ONG en RDC qui s'appelle Initiative de paix et d'espoir pour la RDC. Et c'est une organisation qui est en collaboration avec des anciens volontaires des Peace Corps des États-Unis à Madagascar. Donc, Laurent a travaillé, il a consacré sa vie professionnelle depuis plus de 15 ans au travail avec les jeunes en Afrique francophone. Il a beaucoup d'expérience en matière de gestion, d'encadrement et de supervision des équipes de projet de développement et aussi en contexte d'urgence. Depuis ces 6 dernières années, il est avec FHI, donc FHI 360, comme coordinateur de terrain et chef d'équipe. Et avant ça, c'est important, il avait participé en 2022 et 2023 en tant qu'anchor organization dans un atelier organisé par Harvard University avec l'INE, donc dans cette thématique. Et il va nous présenter son expérience au niveau régional de l'utilisation de la boîte à outils. Je reviens sur Zoom. Je vais voir si ma question fonctionne. Est-ce que vous êtes là, Laurent? Oui, je suis là, Émilie. Je Très suis là, bien. vous me suivez? Oui, on vous entend très bien. Donc, la question, normalement, vous devez tous la voir, c'est avez-vous déjà parcouru la boîte à outils, pardon, SPS ASE de l'INE? Donc, c'était avant aujourd'hui, évidemment. Donc, une majorité de non. Donc, encore quelques secondes, et puis Laurent va pouvoir prendre la parole. Bon, c'est très clair, la majorité, 79%, c'est négatif. Donc, on espère qu'après la présentation de Sonia, vous y retournerez. Et donc, je passe la parole à Laurent. Merci beaucoup, Émilie, et merci tout le monde. Je voudrais vraiment dire un merci spécial à Sonia et à Esther pour m'avoir invité pour partager mon expérience sur la pratique de PSSL ou SPSL, donc le support psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel. Vraiment, comme Émilie l'a dit, j'ai eu la chance de participer pendant de longs jours, de longues journées, de longues heures, de longues semaines, je dirais, en anglais, qui n'est pas vraiment ni ma deuxième, ni ma troisième, peut-être ma cinquième langue. Alors, j'ai participé pendant ce temps-là et c'est un temps d'apprentissage. En tant qu'Anchor Organization, je travaille avec FHI 360. Alors, je suis parvenu à rendre tout ce que Paola a dit, tout ce que Sonia a dit. J'essaie de faire ça de ma manière avec la collaboration de tous les collègues qui avaient participé à un workshop organisé par INI et Harvard University. Donc, je suis parvenu à rendre ça beaucoup plus pratique dans le cadre de notre projet. Donc, c'est comme ça que j'ai intitulé la session en disant Quid de la pratique du PSSL? La compréhension, c'est un problème. Des défis au succès. Des succès aux opportunités et des opportunités. OK, l'ancien slide, pardon. Et des opportunités à la pratique. Donc, je crois que je vais faire un témoignage. Et dans ce témoignage, c'est la manière dont nous avons rendu les choses beaucoup plus faciles pour nos collègues qui étaient bénéficiaires de notre projet. Et slide suivante. Deuxième slide. OK. J'ai travaillé, je disais encore une fois, j'ai travaillé avec FHI 360 comme parmi les organisations qui étaient invitées avec INI dans le cadre de Anchor Organization. Et on devait discuter des cadres, des différents cadres des activités psychosociales. C'est vrai que vous voyez là-bas, nous avons
Les cibles ont débattu 200 000 enfants dans les provinces de l'Est, notamment Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Et il y avait un problème d'accès à l'éducation de haute qualité et pour les classes formelles et non formelles. Donc, vous comprenez que nous avions un projet qui était circonscrit dans le cadre des projets d'urgence. Prochaine slide. Alors, dans ce contexte-là, il y a eu beaucoup de défis au bien-être psychosocial. Vous savez que à l'est de la RDC, comme dans beaucoup de provinces aussi, on a beaucoup de conflits, on vit beaucoup de conflits interminables, des déplacements des familles, des séparations de familles. Il y a les catastrophes naturelles. Je crois que notre ami Josaphat vous a parlé de ce qui s'est passé à Calais. Il y a les volcans ici au Nord Kivu. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui se posent dans ce pays. Alors, tous ces problèmes-là caractérisent un contexte d'urgence, un contexte de conflit. Alors, pour cela, les populations locales étaient appelées, et nous travaillons avec elles, étaient appelées à développer une certaine résilience pour faire face à tous ces problèmes auxquels ils étaient exposés. C'est ainsi que le programme de l'ACE a apporté sa contribution. En passant, je peux dire que quand j'ai travaillé dans le cadre de l'Anchor Organization, nous avions le SHLS, qui était un espace préparé par notre partenaire IRC, où on encadrait les enfants pendant 8 mois. Alors, moi, après avoir participé à l'atelier avec Harvard University, je me suis rendu compte que les 8 mois, vraiment, c'est trop. C'était trop pour des traumatismes. C'est pas trop, mais ça ne pouvait pas vraiment nous aider à adresser les besoins immédiats. Prochaine slide. Alors, pour arriver à cela, il fallait des approches. Ce sont ces approches-là qui vont nous aider à voir la réalité. Malheureusement, c'est en anglais que j'ai mis cela. On commence par le survey, donc ce sont des questionnaires pour faire la cartographie communautaire. On appelle Youth Community Mapping. Après, après le survey, nous avons les PYD, Positive Youth Development. Donc, c'est le développement des jeunes. Vous savez que c'est un projet qui s'occupe des jeunes et des enfants. Après, on devait réunir tout le monde dans ce qu'on appelle All System in the Room, c'est-à-dire tous les systèmes dans une salle. Avec cet ensemble, ces approches-là, ça devait arriver à adresser vraiment de manière, je dirais, spécifique, de manière correcte et de manière, je dirais, localisée, le problème de l'apprentissage socio-émotionnel. Prochaine slide. Alors, OK, maintenant, dans cette localisation-là, nous étions appelés à organiser d'abord 2 ateliers. Nous avons organisé 2 ateliers avec nos partenaires locaux. Notamment, nous avons une organisation ici à Goma, de Anami Kelly, qui est gérée par, qui est notre partenaire, qui était notre partenaire dans le projet d'éducation et la réponse. Nous avons organisé dans ces 2 ateliers. Le premier, c'était avec les tuteurs et les staff de Anami Kelly. Les tuteurs, c'était des enseignants ou de jeunes gens que nous avons pris dans des communautés pour aider les enfants en retard des compétences en lecture, écriture et calcul. Alors, ces enfants, la plupart, ce sont des enfants des déplacés, des enfants qui vivent dans des conditions très difficiles, qui étaient exposés vraiment aux problèmes psychosociaux. Alors, le premier atelier était celui-là. Le deuxième, c'était un atelier qui a vraiment englobé beaucoup de gens, notamment il y a eu les autorités éducationnelles, les détenteurs d'enjeux, les autorités locales, la société civile. Alors, c'est là vraiment que nous avons vraiment fait appliquer, aider les gens à comprendre la boîte à outils, le toolbox qui venait de Harvard University. Et là, je n'aime pas parler de problèmes, mais on a eu beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Le premier problème, j'avais demandé au niveau de Harvard University de traduire tout en swahili. Ils nous ont envoyé les documents qui étaient traduits en swahili, qui n'étaient pas vraiment les swahili du Congo. Ceux qui parlent swahili le savent,
notre Swahili est différent un peu de Tanzanie. Alors, c'était très difficile pour que les participants comprennent réellement les Swahili. Alors, c'était vraiment très lourd pour eux. C'était prévu toute une journée plus ou moins. Nous avons fait plus que 11 heures de travail, en train de travailler pour que les gens comprennent la boîte à outils. Tous, non, tous. Les mots qui revenaient, c'est la localisation, la contextualisation, les compétences, les valeurs culturelles, les socio-émotionnels. Comment traduire tous ces éléments-là en Swahili? Puisque on s'était dit qu'au départ, si tout se fait dans la langue locale, ce serait vraiment difficile, ce serait vraiment facile pour que et les apprenants, et les parents, et les autorités, que tout le monde vraiment comprenne le bien fondé de l'apprentissage socio-émotionnel. Alors, c'est ainsi que nous, comme Sonia l'a dit, elle a parlé de domaines, elle a parlé de valeurs et de comment. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais qu'une étude de cas en disant que comment intégrer les compétences socio-émotionnelles dans des classes formelles et dans des classes non formelles, et surtout les classes qui étaient les écoles qui étaient partenaires à notre projet. Et en étant sûr que à la longue, on allait étendre ça dans d'autres écoles. Donc, nous sommes partis des domaines, des valeurs culturelles et des compétences socio-émotionnelles. Il y a beaucoup de valeurs culturelles. Alors, maintenant, on se disait, qu'est-ce qui devait précéder? Partir des valeurs pour créer des compétences ou partir des compétences socio-émotionnelles pour avoir des valeurs. Donc, c'était vraiment très, très lourd. D'abord, avoir les termes appropriés et puis maintenant travailler sur cela. On s'est rendu compte qu'on a fait un travail qui était vraiment préliminaire et qui ne donnait pas vraiment beaucoup de chance aux uns et aux autres de comprendre ce qu'on avait fait. Et je peux vous assurer, avec mon témoignage, tout ce qu'on a raconté, tout ce que Sonia a dit, Paola a dit, je peux vous dire que il nous faut, nous qui sommes là, si c'est la première fois que vous participez, il faut vraiment que vous preniez votre temps pour bien comprendre et voir ce que vous devez faire. C'est comme ça que moi, personnellement, je me suis basé sur les domaines, les valeurs culturelles et les compétences socio-émotionnelles. Donc, les valeurs culturelles identifiées, appropriées, et puis les compétences socio-émotionnelles. Donc, ça va nous aider maintenant à écrire des documents que nous avons appelés les recueils. Alors, pour arriver à écrire ce recueil-là, on a organisé trois organisations en trois zones linguistiques différentes. Nous avions les Swahili, qui étaient faites pour les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Ituri. Nous avons la zone Chiluba, qui était pour les provinces du Kasai, les grands espaces Kasai, et le Lingala pour les provinces de l'Équateur et un peu aussi dans les basses Huélé, dans les hautes Huélé. Alors maintenant, ces trois ateliers-là sont allés dans la profondeur des choses pour que nous parvenions à avoir un document qui devait être accepté et par les ministères et par le projet. Et ce travail, il est fait à partir de mois de novembre, décembre, janvier jusqu'en février. C'est là que j'étais engagé comme consultant pour faire ce travail-là. Alors, ces recueils, nous l'avons d'abord appelé recueil d'activités stratégiques d'apprentissage des compétences socio-émotionnelles. Pourquoi activités stratégiques? Ça, c'est la première question que je devais poser. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire d'interactions. L'activité stratégique pour nous, c'était un prétexte pour faire passer les messages des compétences socio-émotionnelles. Il y a tout un tas de compétences qui sont socio-émotionnelles et qu'on devait vraiment apprendre. Ces activités sont lesquelles? Nous passons à la slide suivante. Ces activités, nous avons des activités comme. Slide suivante, pardon. Nous avons des activités comme nous sommes dit, partons des valeurs culturelles. Et dans ces valeurs culturelles, nous avons les valeurs les plus importantes que nous avons retenues. Nous avons d'un côté les valeurs comme on en a parlé, la cohésion sociale. Donc, ce sont ces valeurs qui ont été identifiées par les participants. Voir quelles sont les valeurs qui sont appropriées pour que leur enfant, pour qu'eux-mêmes soient vraiment équilibrés dans leur vie courante. Nous avons la cohésion sociale, l'attachement à la famille, le respect des coutumes, le respect du patrimoine culturel, l'estime de soi, la propreté, la régulation des émotions,
l'amour du travail, la fortification mentale, la prévention des conflits et la vigueur, donc la souplesse. Hein. Donc, ce sont ces valeurs-là, de ces valeurs-là culturelles que nous avons considérées comme étant appropriées et qu'on devrait développer chez les enfants, on devrait arriver maintenant aux compétences socio-émotionnelles. Et ces compétences que nous avons retenues allaient dans le sens d'établir de bonnes relations sociales, respecter sa culture et en être fier, la fierté culturelle, l'identité culturelle, l'estime de soi, gérer ses émotions, maintenir la concentration, veiller à sa sécurité et être flexible. Vous savez que le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus et beaucoup de langues. Vous allez vous retrouver dans un petit espace avec trois, quatre langues différentes, dans une même école avec six langues différentes, bien qu'on ait une seule langue qui doit être enseignée, surtout dans les premières classes. Alors, nous sommes arrivés à faire cela. Maintenant, nous avons réuni à ce moment-là des experts, mais les experts qui étaient les parents, les enseignants, les directeurs des écoles, les inspecteurs, les autorités et même les jeunes, on les a pris. Ils devaient maintenant créer les activités stratégiques qui faisaient partie des choses comme les contes, les proverbes, les devinettes. Et ces activités-là stratégiques n'avaient pas, ne devaient pas prendre tout un tas, plus de 7 minutes dans une classe. Il y en a qui devaient se faire en classe, il y en a qui doivent se faire à l'extérieur pendant la récréation. Mais ça ne doit pas dépasser 7 minutes. L'activité va d'une minute ou de 30 secondes à 3-4 minutes. Quand ça dépasse 3-4 minutes, on l'a fait pendant la récréation. Et pendant une partie de la récréation, pour les pédagogues, ils savent que la récréation, les enfants doivent rester libres et créer leur propre jeu. Alors, ces activités-là, leur importance était quoi? Ça permettait aux enseignants et aux enfants d'être détraumatisés. Mais comment? Vous savez que les gens qui vivent dans les régions du Nord, dans la province du Nord Kivu, la plupart, c'était des déplacés, des familles de déplacés ou des familles qui ont accueilli les déplacés. Ce n'était pas facile. On demande aux enfants, par exemple, de demander aux parents, aux membres de la communauté ou aux aînés, aux autorités, de leur amener, par exemple, des devinettes qui parlent de l'attachement familial. Ils vont venir avec ces devinettes le lendemain en classe. Quand l'enseignant en a l'occasion, on indiquait même dans les recueils, on indique au moment où il doit faire ça. L'enseignant en profite, il pose la question aux enfants, les enfants travaillent en équipe culturelle et puis ils partagent. Et puis en partageant ça, ils apprennent les uns des autres. Et ça permet aussi aux parents d'être impliqués dans les processus d'éducation de leurs enfants ou d'apprentissage de leurs enfants. Vous savez que, peut-être c'est mon expérience, moi-même, je suis aussi fautif dans ces domaines-là. Je ne suis jamais impliqué dans l'éducation ou l'enseignement de mes enfants. Dieu merci, ils ont fini tous les études. Mais normalement, ça aurait été mieux que les parents soient impliqués. Actuellement, les jeunes parents le font peut-être. Maintenant, avec l'ACE, avec les compétences socio-émotionnelles, avec les activités stratégiques de l'ACE, on permet aux parents, on permet aux autorités de savoir ce qui se passe à l'école. Et quand ils vont à l'école, il y a même des activités qui se font pour toute une classe ou entre deux classes. Mais tout était basé sur ce qui est positif. Ce qui est positif. Pas des choses négatives. Vous savez que dans la plupart de nos cultures, on parle toujours du négatif pour éduquer. Alors que nous, nous avons dit, niet, pas question de ce qui est négatif. Alors, on a mis sur ce qui est positif. C'est ainsi que, slide suivante, c'est ainsi que nous sommes arrivés à rédiger ces trois recueils que nous appelons recueils d'activités stratégiques d'apprentissage des compétences socio-émotionnelles. Alors, dans ces activités culturelles, nous en avons déjà parlé, il y en avait beaucoup, mais ce que je peux dire, le plus important, c'est quoi? Deux éléments pour terminer ou pour chuter. Ces activités bien appliquées, ces recueils bien appliqués dans les écoles, formelles et non formelles, on a vu que ça peut permettre, ça constitue une occasion pour réveiller les talents endormis.
À un moment donné, vous savez, je ne sais pas si c'est la mondialisation ou le modernisme, tout le monde est en train d'oublier sa culture. On oublie sa culture en faveur de culture occidentale. Mais avec ça, on ramène les gens dans leur propre culture. Ils sont fiers de parler de ça. Et les enfants apprennent beaucoup plus facilement. Alors, on réveille ça. Et puis, nous devons comprendre que l'ACE n'est pas seulement pour les enfants ni pour les enseignants. Puisqu'il y a des activités qui emballent tout le monde. Les enseignants sont là, les responsables des autorités scolaires sont là, tout le monde est là. Et tout le monde, après avoir chanté, après avoir dansé, après avoir joué des devinettes, qui a gagné, qui a fait ça, tout le monde est traumatisé et ça donne de très bons résultats. Et nous avons remarqué qu'à la fin, il y avait des routines que nous avons développées chez les enfants. C'est tout un tas de routines-là. Qu'on a développé chez les enfants pour que l'enfant soit vraiment capable d'être fortifié mentalement, de se concentrer aux études et de comprendre qu'il a des objectifs, il peut se fixer des objectifs. Donc, c'est ça, en gros, à mon sens, ce que nous avons eu. Mais le point le plus important, dans chaque activité que nous avons développée, il y avait ce qu'on appelle leçon de morale. Et cette leçon de morale, interpeller les enfants à faire du bien, à se comporter, à se concentrer, à être beaucoup plus flexible. Je dis, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Laurent. Très bonne présentation en effet. Je rejoins Sonia sur ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vois que on a Irissa Ouedraogo qui a la main levée. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Et vraiment, je voudrais dire merci au grand frère Laurent pour ce partage très riche. C'est vraiment très enrichissant. Et je pense que je vais peut-être après demander son adresse parce que j'ai beaucoup de choses à échanger et je voudrais tirer expérience de leur activité. Et ce que je voudrais comprendre à travers, après cette présentation, c'est comment ils ont pu intégrer en tout cas, ils ont mis en œuvre ces activités dans le programme. Est-ce que ça a intégré le programme scolaire, c'est-à-dire les curricula, ou bien elles ont fait l'objet d'enseignement occasionnel? Voilà, ça, c'était la première question. Ou bien est-ce que les parents ou la communauté a eu aussi un rôle à jouer dans donc le renforcement des compétences socio-émotionnelles des enfants dans le cadre de leurs activités. Ça, c'est la première question. Merci. La deuxième question, c'est pour comprendre, est-ce que c'est vrai que il l'a dit, hein, mais je voudrais voir, est-ce qu'ils ont pu organiser une évaluation formelle pour, en tout cas, reconnaître la portée, l'impact de l'action sur même la vie donc de l'enfant. C'est les deux questions que je voudrais poser. Encore merci, grand frère. Merci beaucoup, Wesrako, cher ami. Je suis vraiment très content de vos questions. Je commence par la dernière question. L'évaluation, je dirais que nous n'avons pas encore fait l'évaluation. C'est au mois de mars que j'ai terminé tout le travail que je leur ai donné. Deuxième question, en parlant des parents, si les parents étaient intégrés, oui, les parents, les enseignants, les autorités locales, tout le monde est intégré dans les trois, j'ai organisé plus ou moins cinq ateliers, dans les trois dernières où on rédigeait les activités, ils étaient vraiment intégrés. Ils étaient là. Ce sont eux qui ont, on prend par exemple, au départ, on devait définir les valeurs. Des valeurs, on voit les compétences. On dit maintenant, quelles sont les activités qui peuvent aller avec ces valeurs-là? C'était ça. Alors, ce sont eux-mêmes qui ont donné ces activités-là. Alors, moi, à mon niveau, en tant qu'expert, je devais maintenant rédiger une seule fiche. Maintenant, quitte aux autres maintenant, dans les anciens, d'aller approfondir ça. Hein. Alors, l'application, c'était la première question que je pensais la plus importante. Donc, l'application de cela a été faite et est en train d'être faite maintenant avec les tuteurs et quelques écoles qui sont bénéficiaires du projet
l'éducation est la réponse. Alors, dans cette application-là, c'était ça au départ. Je crois que Paola a parlé des compétences de vie courante. Nous, au Congo, nous avons fait, à mon niveau, avec mes collègues, nous avons fait la différence entre les compétences de vie courante et les compétences socio-émotionnelles. Les compétences de vie courante au Congo sont appliquées dans des écoles non formelles comme les CRS, centres de rattrapage scolaire, ou les CAP, ou dans d'autres circonstances. C'est tout un programme à part. Mais nous, comme j'ai dit, toute activité de l'ACE, l'apprentissage socio-émotionnel, c'est une activité qui est dans un cours, mais qui n'a pas besoin nécessairement d'être liée au thème. Ce qui est différent des compétences de vie courante. Les vies courantes, les compétences de vie courante sont liées à un thème, mais chez nous, en tant que psychosocial, c'est quelque chose qui vient ex abrupto, paf, d'un coup. On est en train de voir, puisqu'on précise même à quel moment ça doit se faire. Il reste encore 2 minutes, ou bien les enfants sont fatigués. On dit, hey, souvenez-vous que je vous ai demandé de me donner des devinettes. Qui peut me donner des devinettes? On dit, hey, on donne des devinettes. Deux, 3 minutes, c'est fini. On continue la leçon. C'est quelque chose qui relance, c'est quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Mais ça ne change pas le programme national, ça ne change pas le cours, la leçon telle qu'elle a été conçue, quelque chose qui vient améliorer, qui vient détraumatiser, qui vient, je ne sais pas, en bien. Tout ce qui est bon peut venir dans la leçon, c'est la compétence socio-émotionnelle. Mais le plus important, tout le monde, tous les enseignants de l'école primaire l'ont toujours fait. Il y a des jeux, on fait des jeux, on danse, on chante, comme nous avons l'espace SHLS, les enfants dansent, chantent là-bas. Mais il n'y a pas de leçon de morale. Il n'y a pas de compétence socio-émotionnelle qui est développée. Alors que chez nous, à la fin, on vous dit, hey, on vous a demandé d'être fortifié mentalement. On vous demande d'aimer la famille. C'est ça, c'est qu'il faut. On vous demande de ne pas considérer que telle personne est ennemie. Voilà le plus important, cette prise de conscience. Et pour cela, je vous dis que nos compétences socio-émotionnelles viennent comme un cheveu dans la soupe, comme on dit en anglais, derrière une soupe, mais qu'on peut avaler sans problème. Un cheveu qui est dans la soupe, tu peux l'avaler, tu ne vas pas mourir. Mais c'est ça, les compétences socio-émotionnelles. C'est différent, je m'excuse, Paola va me contredire, c'est différent des compétences de vie courante, selon ce que nous avons fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, mais comme vous avez dit, on peut toujours rester en contact, voir comment améliorer ce domaine qui m'envoûte vraiment. Pour moi, il n'y a pas de vie sans compétences socio-émotionnelles. Au travail, au supermarché, en ville, en famille, à l'école, partout, 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 si vous n'appliquez pas les principes de l'ACE, vous êtes foutu. Vous n'êtes pas un homme. Merci. En effet, Merci, merci c'est une beaucoup. conclusion forte, Laurent. On s'en souviendra que oui, on est tous humains et on se souviendra du cheveu dans la soupe. C'est une bonne analogie. Je vous Merci. remercie pour votre intervention. Ce que je propose aux présentateurs, aux personnes qui ont pris la parole, c'est d'indiquer votre adresse mail dans la barre de discussion pour que voilà, les personnes qui ont besoin de se mettre en contact directement le fassent après la session. Et sans plus tarder, je vais passer la parole. Alors, il nous reste grosso modo 10 minutes à notre collègue Michel Abassa, qui est consultant en éducation. Il travaille sur le développement des compétences professionnelles des enseignants et il est également co-chair du groupe de travail de l'INE sur le soutien psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel. La parole sans plus attendre et sans avancer avec la petite question. Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça fonctionne bien. Ça va? Ça va, Emeline? Bon, voilà. Alors, je voudrais d'abord remercier et tout. C'est bon. Ça va? Est-ce que ça marche bien?
Donc, je voudrais remercier Oui. d'abord la coordinatrice du groupe de travail pour l'apprentissage, le soutien psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel, ainsi que tous les prédécesseurs. Donc, Emeline, Paola, Sonia et Laurent. On ne peut pas faciliter le bien-être psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel en oubliant le personnel enseignant en situation d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, lorsque une situation d'urgence se pose ou s'impose, ce qui porte à la fois les élèves, les parents d'élèves, les autorités de l'éducation, c'est les enseignants. Ça veut dire que les enseignants deviennent à la fois des experts pour les parents, pour soutenir les parents. Ça veut dire que c'est les enseignants qui donnent aussi des orientations, parfois politiques, aux autorités politiques. C'est donc pourquoi l'INE s'intéresse aux enseignants. Et vous avez là, devant cette diapo, pourquoi le bien-être des enseignants est-il important? Le bien-être des enseignants est très important en situation d'urgence. Et c'est pourquoi, en 2015 et en 2018, Colli et d'autres chercheurs, puis Schleicher, affirmaient que le bien-être des enseignants est spécifique au contexte et englobe les affections, les attitudes et les évaluations des enseignants à l'égard de leur travail. Alors, pour comprendre le sens du bien-être, les chercheurs ont demandé aux enseignants d'écrire les mots qu'ils utiliseraient dans leur langue maternelle pour parler de bien-être et être capables et confiants. La majorité des enseignants ont donné le sens d'être bien dans leur langue maternelle, qui correspondait à être physiquement en sécurité, être émotionnellement en sécurité, être socialement en sécurité et être mentalement stable. Diapo 2, quel est donc le cadre conceptuel pour le bien-être des enseignants dans le contexte de faibles ressources, de crise et de conflit? Vous avez le schéma qui est devant vous et ce schéma, c'est un schéma qui présente les normes minimales de l'INE. Alors, les normes minimales de l'INE sont alignées sur ce cadre conceptuel et fournissent des orientations pour la compréhension et l'application de celui-ci. Grâce au travail des groupes de collaboration sur le personnel enseignant dans les contextes de crise et le groupe de travail sur le soutien psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel. Une vidéoconférence sur le laptop. S'il vous plaît. Tout va Est-ce bien, que... Michel. On rappelle aux participants de bien couper leur micro et tu peux continuer. S'il vous plaît. Alors, l'INE apporte une contribution significative au bien-être des personnels enseignants en situation d'urgence en prenant soin de définir le bien-être du personnel enseignant comme étant propre au contexte. Et ici, au niveau des trois premiers contextes, si vous regardez le schéma, au niveau des contextes, il y a d'abord le premier, c'est le contexte individuel, le contexte au niveau de l'école, qui est le contexte scolaire, et puis le contexte au niveau communautaire. Ici, l'INE définit des facteurs de protection dans la construction du bien-être des enseignants. Dans ces trois contextes, c'est-à-dire au niveau des enseignants, donc au niveau individuel, au niveau de l'école et au niveau de la communauté, nous avons le bien-être qui englobe d'abord l'auto-efficacité des enseignants, le stress et l'épuisement professionnel, la satisfaction des enseignants au travail, puis les compétences socio-émotionnelles. Maintenant, au niveau du contexte régional, du contexte national et du contexte international, l'INE examine et contrôle les facteurs de risque pour le bien-être des enseignants, à savoir la réglementation de l'environnement professionnel des enseignants, notamment la prise en charge des enseignants, le travail
le droit au travail, la rémunération, le développement professionnel et la certification. Alors, pour terminer avec cette partie, il y a une question: qu'est-ce qui a affecté le bien-être des enseignants dans vos différents contextes? Donc, vous pouvez taper votre réponse dans le chat du Zoom. Alors, je vais les lire, Michel, pour que ça aille plus fluidement, si tu veux. Oui, Donc, oui. on a l'insécurité. Voilà. Je crois qu'on va continuer à lire ces réponses, mais examinons l'autre diapo, les enseignants en situation d'urgence. Greenberg, Brown et Abenavoli en 2016 affirmaient, c'est des chercheurs, que l'enseignement est l'une des professions les plus stressantes. Burns et Hillary en 2018, puis Mendenhall, Gomez et Vanier en 2018 confirmaient que ce stress est amplifié dans des contextes de crise et de conflit où les enseignants travaillent souvent sans soutien au développement professionnel, à la certification ou à une rémunération respectueuse. En 2021, l'INE a interrogé plus d'un millier d'enseignants dans des contextes d'urgence et les choses qu'ils ont trouvées les plus stressantes étaient d'abord les bas salaires, ensuite les ressources pédagogiques limitées et enfin le comportement difficile des apprenants. Kirk et Winthrop en 2013, puis Burns et Lowry en 2015 précisaient que c'est dans ces environnements à faibles ressources et aux besoins élevés que les enseignants sont censés créer des salles de classe sûres et inclusives qui favorisent ou favoriseraient la croissance cognitive et le bien-être de leurs élèves. Alors, nous allons passer à l'autre slide. Quelles sont les ressources délinées sur le bien-être des enseignants? Vous voyez en face de vous que l'INE a plusieurs ressources. L'INE a produit beaucoup de ressources. D'abord, comme ressources de base, on vous a présenté la boîte à outils, je ne la présente plus, mais il y a d'autres ressources qui sont là, par exemple, l'anneau d'orientation, le teacher well-being, emergency settings, et toutes ces ressources-là, vous pouvez vous les procurer en allant sur le site qui vous montre tout ce qu'il y a à faire pour les enseignants dans votre contexte et adapter justement ces outils à votre contexte. Planche 5, s'il vous plaît. Le bien-être du personnel enseignant en situation d'urgence est articulé autour des 5 domaines des normes minimales de l'INE, donc les normes fondamentales, premier domaine, l'accès et l'environnement d'apprentissage, l'enseignement et l'apprentissage, enseignants et autres personnels de l'éducation et puis politique éducative. Slide. Oui, donc ce bien-être du personnel enseignant respecte certains principes, notamment trois. Vous avez là, le premier principe, c'est favoriser l'accès du personnel enseignant à la SMSPS. Le deuxième principe, c'est créer l'environnement de travail plus propice pour le personnel enseignant. Et enfin, le troisième principe, améliorer la voix, la capacité d'action et le leadership du personnel enseignant. Maintenant, ce bien-être va aussi s'appuyer sur les parents et les personnes en charge, les enseignants et les enseignantes eux-mêmes, les responsables d'école, les décideurs politiques et les donateurs. Je vous pose une question: comment communiquer au mieux l'importance du bien-être du personnel enseignant aux différents groupes de parties prenantes? Slides. Alors, comment soutenir le bien-être des enseignants dans votre contexte? Vous pouvez le frapper sur le Zoom. Et nous voyons l'autre
Le dernier. Le tout dernier. Slide. Alors, on nous a mis en réponse le renfort des capacités. Voilà. Alors, je suis en train de conclure pour dire que cette conférence ou bien ce webinaire pour les pays d'expression francophone est très important parce que, comme nous l'avons tous découvert, la majorité des documents et des outils est en anglais. Or, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest sont en ébullition actuellement. Je profite justement de l'occasion qui nous est offerte pour voir comment introduire le soutien psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel dans les contextes francophones, parce que nous n'avons pas assez d'outils. Pas seulement d'outils, mais aussi des formations qui vont donner aux différents acteurs. D'ailleurs, je profite parce que le point focal du ministère de l'Éducation de base est là pour dire que nous en avons besoin, parce que le soutien psychosocial va nous permettre, et l'apprentissage émotionnel, d'améliorer les compétences sur le plan relationnel. Et vous avez vu la richesse et la densité des outils que Sonia a présentés, que nous n'avons pas dans notre contexte. Au niveau de la communication, la qualité des communications peut être un impact au mal-être et au vivre ensemble. La gestion des conflits, la tolérance, l'interculturalité, la paix, le savoir-vivre ensemble, le soutien psychosocial et l'apprentissage socio-émotionnel sont effectivement des outils qui peuvent nous permettre d'aider les enseignants et toute la communauté de pratique des enseignants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Je sais que tu as fait cœur de l'éducation sont les enfants, ces personnes. Pardon. Sont laissées pour compte. Ne peut pas être réalisé au mieux de la communauté. Je vais voir s'il y a peut-être un commentaire et puis on va voir ce. J'ai été éjectée de la réunion. Je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous. Je suis désolée. Moi, j'ai tout qui a disparu. Donc, j'étais en train de dire que. Pardon. Du coup, ça m'a perturbée. Excusez-moi, je reprends mes esprits. Donc, est-ce qu'il y a un commentaire ou une.